Bonjour, bienvenue à notre capsule de cuisiner avec Hadi. Aujourd'hui, nous avons une bonne recette, toujours en faisant les recettes, bien sûr, en ayant du plaisir. En parlant de plaisir, en fait, on n'oublie pas notre verre de ce qu'on veut boire. On m'a demandé qu'est-ce que je buvais. Donc, pour vous le savoir, je bois du vodka Camberge. Et j'ai gardé de vodka pour, en fait, l'occasion. Ça tombe bien, en couleur d'arc-en-ciel, ça va bien aller. Donc, cela nous aide à propager la joie de vivre. En parlant de joie de vivre, une petite salutation à un organisme de Montréal, Montréal la plus heureuse, qui m'ont approché pour que je puisse propager la joie de vivre de mes recettes avec vous à Montréal et un peu partout dans le monde. Alors, sur ce, santé et bonne recette! Mais calme-toi, j'y allais, ça sent! Nous allons cuisiner une belle omelette aux courges. Vous vous rappelez, nous avons discuté des courges lorsqu'on les a vidées, de garder bon, ce qui était à l'intérieur. Donc, on va s'en servir aujourd'hui comme un des ingrédients principaux pour faire notre recette. Et puis, c'est une courge omelette. On appelle ça rejet. Donc, les Libanais, ne soyez pas choqués. Je vais un peu la modifier encore une fois. Et puis, vous allez voir, c'est vraiment bon. Une fois que notre belle omelette est toute mélangée et elle est prête, il ne nous reste qu'à la cuire au four à 375 degrés pendant environ 30 minutes et ou jusqu'à temps que ça soit un peu plus doré vers le dessus. Pendant que notre quiche est cuite au four, notre courgette, notre omelette, 25 à 30 minutes, il faut bien sûr faire la vaisselle et ça me rappelle en fait mon passage à la gare des Clans où on a perdu. Parce qu'ils ont posé la question « Quelle tâche ménagère quotidienne que vous n'aimez pas faire? » Et bien sûr, j'ai buzzé, j'étais assez rapide, j'ai dit « Le ménage. » J'ai perdu en disant « Après la vaisselle » alors qu'ils ont dit « Passer le balai. » Je veux savoir qui passe le balai à tous les jours. Mais la vaisselle, on la fait à tous les jours. Bon, c'est tout. Tournons à notre vaisselle. Donc, notre belle omelette est sortie du four. C'est 375 degrés, maximum 30 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Donc, on l'a sortie un peu plus tôt parce qu'elle était déjà dorée. On va y goûter maintenant. Mmh. Exquis, vraiment délicieux. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était très agréable. N'oubliez pas, si vous avez aimé la recette, de thumbs up. Marquez vos commentaires en bas pour nous indiquer une prochaine recette que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la joie de vivre et le bonheur en cuisinant.